Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy, donc sorti eh bien à la fin du mois de mars. Donc effectivement, j'ai un peu de retard, veuillez m'en excuser. Et donc effectivement, voilà un peu à quoi ça ressemble. Ça coûte 6,99. Vous pouvez bien sûr le trouver dans votre bureau de tabac qui fait presse, maison de la presse et autres effectivement rayons presse d'hypermarché comme d'habitude. Alors comme on peut voir, visiblement ils ont encore renommé, plutôt renuméroté le magazine. Hein. On est maintenant passé à Lego Ninjago Legacy hors série numéro 1. Donc, c'est à n'y rien comprendre. Donc, je ne vais pas chercher à comprendre plus que ça. En tout cas, effectivement, on va voir le contenu aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude. Donc, bien évidemment, comme c'est un magazine Lego Ninjago Legacy, eh bien, il est un peu plus grand que la normale. Alors, là encore, on va devoir enlever délicatement. Voilà. Cette partie-là, la carte, je l'ouvrirai après. Donc, ouais, d'abord, effectivement, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le mettre de côté. On va bien sûr s'intéresser eh bien, à la. Oula! Aux figurines donc incluses dans ce modèle-là. On va ça le mettre comme ceci. Hop, comme ça. Voilà. On va baisser d'un cran, je pense, pour pouvoir bien observer nos figurines. Et donc, effectivement, eh bien, qu'est-ce qu'on aura cette fois-ci dans ce nouveau numéro? Eh bien, on aura donc, comme vous pouvez voir, deux figurines. On aura un ninja, bien évidemment, ainsi qu'un méchant serpent qui semble peut-être, entre guillemets, assez familier. Hein. Donc, effectivement, il s'agira de Cole et de Lacha, comme c'est marqué ici. Et d'ailleurs, ce qui est encore mieux, c'est effectivement quand on a un focus, hop là. Et ce qui est encore mieux que mieux que mieux, eh bien, c'est quand on a les deux figurines directement. Donc, voilà. Alors, hop, on va. Ça devrait être propre comme ça. On va baisser un peu la lumière histoire de bien voir nos figurines. Et donc, on est parti pour l'assemblage. Alors bon, c'est relativement classique, hein. On est bien sûr dans du Legacy. Et donc, d'un côté, on aura Cole, notre ninja de la Terre, qui sera en version Legacy 2019, effectivement. Donc, à l'époque, on pouvait la trouver, par exemple, dans la foreuse de Cole, si je ne m'abuse. Bien sûr, aussi dans le monastère du Spinjitzu. Et je me demande s'il était trouvé dans un autre set auparavant. Parce qu'effectivement, ah, si, il est aussi disponible en toupie, bien évidemment. En toupie à 10 euros. Voilà. Parce qu'effectivement, si en boîte de jeu, il avait été uniquement disponible dans la foreuse qui coûte, je crois, une cinquantaine d'euros, ça aurait été un peu compliqué. Enfin, ça aurait pas été compliqué, mais c'est plutôt que le magazine, ça aurait vraiment permis en fait, d'avoir la figurine pour pas trop cher. Mais après, comme elle est aussi sortie en toupie, bah, en fait, vous pouviez déjà l'avoir pas trop cher la figurine pour si vous achetez la toupie, quoi, à l'époque. Voilà en tout cas pour donc la tête. Hop, on va le mettre maintenant. Quand on se bat contre un méchant, on fronce les sourcils. Voilà. Hein. Donc voilà, même tenue qu'auparavant, rien de plus à dire. Et le fameux marteau d'ailleurs qui vient déjà préassemblé. Pourquoi pas? Peut-être plus simple pour eux de le faire déjà assembler. Hop, rien de spécifique pour le marteau, c'est relativement classique. Hein. C'est pas un marteau des fois un peu foufou, comme on peut le voir dans le magazine Lego Ninjago, normal entre guillemets. En tout cas, voilà pour Cole. Donc il reste quand même plutôt cool au cas où vous n'en avez pas eu auparavant. Ouais, c'est inquiétant, Cole, honnêtement. Je sais pas s'il apparaît dans tant de modèles que ça. Je me souviens pas exactement là, mais c'est vrai que, ouais, mine de rien. Mine de rien, mine de rien. Il y a moyen, effectivement, que c'est quand même un peu plus rare que ses autres collègues, comme par exemple Kai, qui lui est beaucoup plus commun, évidemment. Et donc, la seconde figurine, c'est un serpent. Un Venomari, pour être un peu plus exact. Il s'agit donc de l'achat. Donc, je vous montre rapidement l'avant et l'arrière avant qu'on mette la coiffe. Donc, là encore, avec le petit équipement qui va bien, hein. Une tenue qui est relativement, enfin, à l'imprimé qui est relativement propre avec les petites jarres de poison ici. Là encore, il n'y a rien à dire dessus. C'est plutôt propre et voilà, on reconnaît bien forcément le serpent. Et il vient avec une petite lame. Je crois qu'il avait la même lame dans les sets, si je ne m'abuse. Hein. Voilà. Donc, voilà un peu pour notre ami Lacha, le serpent, qui est plutôt cool. Et donc, voilà pour les deux figurines. Hein, donc, ninja contre serpent, forcément, un duel entre guillemets assez classique, hein, vu qu'on sait à quel point. Ninjago aime ses serpents, hein, sous toutes les formes, sous toutes les couleurs, sous toutes les saveurs. Et donc là, effectivement, c'est un des originaux, c'est l'achat. Et bien sûr, l'achat, voilà, tout en train de tomber. L'achat, bien sûr, il faut quand même le préciser, ce n'est pas la première fois qu'on l'a, parce que autant que c'est la première fois qu'on l'a dans ce magazine Ninjago Legacy. Et d'ailleurs, c'est plutôt cool, parce que c'est-à-dire que maintenant, en Legacy, si je ne m'abuse, on a eu peut-être tous les ninjas, sauf Nia, ça c'est sûr. Et Zayn, je ne suis pas entièrement sûr, laissez-moi voir rapidement un truc. Non, non, d'accord, ok. Non.
Je pensais qu'il ne restait plus que Nia à avoir, mais en fait, non, il reste aussi Zen qu'on a toujours payé en le magazine, si je ne dis pas de bêtises. Mais par contre, l'achat, lui, c'est un peu un multi-récidiviste, hélas, parce qu'en effet, si vous avez déjà acheté le magazine Legacy auparavant, eh bien, vous ne serez pas vraiment surpris dans le sens où l'achat, hein, on pouvait déjà le trouver effectivement dans cette surprise là. Alors, c'était Jay contre l'achat, voilà, je crois que c'était la première fois où on l'avait eu, notre ami l'achat. Hop, et après on l'a eu à nouveau avec Kai contre l'achat. Hein, donc l'achat, l'achat, l'achat. Voilà. Hein, donc effectivement, c'est un peu redondant. D'autant plus que l'achat, lui aussi, lui, contrairement à Cole, en modèle Legacy, il apparaît dans trois boîtes de jeux, si je ne dis pas de bêtises, plus des boîtes ensuite sorties en 2020 ou 2021. Donc c'est vraiment un personnage qui est extrêmement commun, extrêmement récurrent, c'est un peu dommage, sauf bien sûr si vous souhaitez créer votre propre armée de serpents Anomarie. Là au moins vous aurez des clones, des petits doubles, et puis donc ça pourrait être rigolo. Après bien évidemment, on rappelle que le magazine Lego, bon, bah, vous n'êtes pas forcément censé acheter tous les numéros, hein. Il faut aussi penser à ceux par exemple qui auraient manqué un vieux numéro, qui pourront ainsi retrouver des figurines, mais honnêtement, quand on voit trois fois quand même la même figurine en moins d'un an, hein, je dirais. Bah, on a un peu le sentiment juste que bah, Lego se sert du magazine pour écouler ses stocks d'invendus. Et je trouve ça un poil dommage. Voilà. Donc, en plus, ça coûte quand même 7 euros. Alors bon, certes, on a deux figurines, mais ça reste un peu dommage, je trouve, qu'on ait à chaque fois un peu les mêmes figurines, même si je peux comprendre. Mais bon, du point de vue de l'acheteur, c'est un peu... Ok, d'accord, quoi. C'est un peu bof. Mais bon, là encore, comme je dis, tout le monde n'achète pas le magazine une fois tous les 2 mois. Quoi qu'il en soit, voici donc le magazine. Alors oui, voilà, la petite carte, hein, la nouvelle carte édition limitée de la série 4 de cartes à jouer avec Samurai X en version Legacy. Donc c'est la LE14, hein, au niveau du numéro de la carte. Et le regard est bizarre de Samurai X. Je ne sais pas trop ce qu'on fait avec les sourcils, mais c'est un peu particulier, je trouve. Est-ce qu'on peut un peu ajuster la lumière pour qu'on voit mieux notre Samurai X Legacy? Voilà, on peut exactement ajuster la lumière. Ouais, non, je sais pas, je suis pas entièrement bizarre, je trouve. Mais quoi qu'il en soit, donc, hormis la carte, on va avoir le magazine en lui-même. Et donc, le magazine en lui-même, bah, qu'est-ce qu'il va contenir? Ça, c'est la grande question, hein, bien évidemment. Une pub, forcément, pour deux modèles de l'île inconnue. Le sommaire à ce niveau-là, effectivement. Ensuite, une petite bande dessinée. Donc, bienvenue au festival Comic-Con, effectivement. Wow, ils ont même un truc Alors de base, le Comic-Con, ça existe vraiment, hein, c'est vraiment effectivement comme il est écrit ici, le Comic-Con est un festival destiné aux passionnés de pop culture, BD, jeux vidéo. Et je tiens à dire que ça, ils l'ont recopié 2 fois. Pourquoi ici et là? Bizarre. Mais donc effectivement, le Comic-Con, ça existe vraiment, donc c'est bizarre. Ils ont repris un peu le logo officiel de Comic-Con. Donc ouais, c'est bizarre, je suppose, d'avoir un truc de base que dans la vraie vie, mais qu'ils ont mis dans Ninjago. Enfin voilà, enfin, ils auraient pu trouver un autre nom. Hein, par exemple, ils auraient juste, je sais pas, trouvé un autre nom pour un festival de bande dessinée, donc ils ont pris le nom officiel. Bref, peu importe. Donc, effectivement, avec du serpent, bah, parce que, voilà, forcément, c'est lié au cadeau. Hein, donc, hop, je vous laisse bien sûr lire ça, tout ça par vous-même. Là encore, l'idée n'est pas de spoiler, mais vous avez facilement 16, enfin, 12, 14 pages de bande dessinée. Au niveau des posters, on aura donc Jay en version Legacy 10 ans, ce qui est plutôt cool. Hein, voilà. J'ai l'impression que je l'avais vu le poster passer sur une vidéo YouTube ou autre. En tout cas, il est plutôt propre. L'illustration, il y a peut-être d'ailleurs une nouvelle illustration, je pense, pour Jay Legacy. Et de l'autre, eh bien, on aura l'armée des Anacondras, effectivement, Maître Chaîne et ses guerriers. Voilà, vous les avez tous ici. Et alors, c'est cool parce qu'on retrouve des vieux rendus 3D, effectivement, hein, de Chaîne et des guerriers ici. C'est vrai qu'effectivement, dans Legacy, là, actuellement, la seule présence des guerriers Anacondrai, elle se limite effectivement à Izor, hein. Izor qui est la figurine représentant entre guillemets les méchants, et on le retrouve pas vraiment ailleurs. Après, il faut noter que Maître Chen, on l'avait retrouvé à l'époque, hein, dans le jour des âmes disparues, mais je pense que l'imprimé était, je sais pas si l'imprimé était différent ou pas à l'époque. Une page pour l'abonnement, relativement classique. Ensuite, on a quoi? Un petit jeu des 10 erreurs, des 10 différences, ainsi qu'une autre jolie illustration donc de Lloyd en version Legacy 10 ans. Les ennemis de l'univers Ninjago partie 10 sur l'achat et les serpents, je suppose, éventuellement. Ou juste l'achat. Juste l'achat, ok, d'accord.
C'est bizarre qu'on ait une double page entièrement consacrée à l'achat. Après, tu me diras, il est tellement présent partout que oui, il peut avoir le droit à cette double page. Bien sûr, l'achat, vas-y, fais-toi plaisir. Tu auras une double page dans le magazine Jabot. Donc là, vous avez les instructions au cas où vous auriez du mal à assembler le modèle, même si honnêtement, ça ne semble pas non plus très compliqué. Mais en tout cas, les instructions sont là. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'achat, en fait? Je comprends pas le délire. Non, c'est juste, ouais, c'est juste deux pages, quoi. Voilà. Et après, on vous montre effectivement avec son modèle Legacy. Donc en fait, c'est une page pub. C'est une page pub et une page instruction. Ok. On l'a quand même vu un peu mieux hein, dans le dossier des ennemis d'univers Ninjago, je trouve. Hein. On va pas se mentir. L'Académie de Wu, leçon 2, la puissance. Ah, par contre, ça peut être un peu plus intéressant. Voilà, on vous rappelle rapidement l'épisode pilote. Et il y a quoi d'autre? D'un jeu avec des marteaux. Conseil, tourne le magazine. Oui, je suppose qu'effectivement, c'est un. Ah, par contre, ça c'est plutôt rigolo parce que vous avez plein de marteaux. De call à travers les années. Donc, sûrement ceux, effectivement, sortaient dans le magazine, mais peut-être aussi, effectivement, d'autres des modèles. Alors, par contre, lui, il me dit rien du tout, là. Ce marteau-là, comme ça, avec le truc au-dessus, ça me dit rien du tout. Est-ce qu'ils ont fait aussi des marteaux nouveaux pour l'occasion? Peut-être. Ah, bah voilà, d'autres pages info. Duel épique. Donc, c'est quoi? Ah, ok, d'accord, c'est l'épisode, effectivement, de la course des rollers. Par contre, on avait, je piche pas, épisode 38. Est-ce qu'il y a eu d'autres? Ah non, non, d'accord, ok. Non, ça c'est les duels épiques, et donc dans les duels épiques, ils mettent en avant des fois des épisodes. Et donc là, effectivement, ça va être Camille, c'est ça? Contre Lloyd? Mais je crois qu'en fait, il. Ah si, c'est ça, Camille qui est ici. Camille qui est la dernière maîtresse élémentaire qui nous reste à avoir en jouet. De base, ils comptaient la faire, d'après ce que j'ai compris, pour 2021, pour cette année, mais ils ont eu des petits problèmes de production et donc ils n'ont pas pu la faire. J'espère quand même qu'ils arriveront à la faire pour les années à venir. Et donc là, effectivement, d'autres mettent des éléments comme Skylor et Jacob, partie 3. Donc oui, effectivement, on était sur les mettre des éléments dans les précédents numéros. Là encore, je ne me souviens plus trop. Hein. Je suis un peu vieux maintenant. J'ai tendance à rapidement oublier. Une petite page donc de jeu, et ensuite une page de jouets cette fois-ci, avec effectivement le dragon donc de l'Overlord, avec des jolies images là encore de. La série animée, on peut voir bien le beau dragon de Lloyd ainsi que l'Overlord ici, ce qui est relativement cool, je trouve. Double alerte, ouh, plein de personnages de Legend of Ninjago City, c'est ça? Et où il faut retrouver, c'est encore un jeu. Le petit questionnaire à la fin pour gagner éventuellement deux jets multimissiles ou quatre électro-robots de Jay. Et enfin, donc, roulement de tambour. La surprise, donc. Du mois prochain, non, du, oui, si, du mois prochain, du 26 mai, donc voilà, 26 mai pour le prochain magazine Jago Legacy. Donc, on va retrouver Lloyd version Legacy. Là encore, lui, on l'a déjà eu auparavant, donc ce n'est pas une nouvelle figurine à proprement parler. Et on aura aussi, effectivement, donc par contre, là, c'est nouveau, on aura un fantôme qui est celui qu'on peut trouver dans le Epic Battle Set avec Cole. Donc, c'est effectivement Peach, si je ne dis pas de bêtises, avec son espèce de. J'ai jamais le terme pour ce truc, pour ramasser le foin et tout. C'est assez incroyable. En tout cas, effectivement, voilà ce qu'on aura. Donc le fantôme peut être plutôt cool pour ceux qui ne l'auraient pas chopé dans le Big Battle 7. Même si le fantôme, je tiens à dire que c'est le même exactement que ceux que vous pouvez trouver là encore dans le Mecha Titan de Zane. Hein. C'est la même chose, c'est juste qu'il y a une fourche, ouais, une fourche en plus. Mais sinon, hormis ça, il n'y a rien de plus à dire là-dessus et tout. Et voilà, et là, on n'a pas là non plus la couverture ni le poster, donc on ne saura pas non plus quel sera le contenu du magazine, si ce n'est effectivement les figurines qui sont incluses dedans. On aura aussi donc ici une pub pour les cartes à jouer, et à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a? Une pub pour le magazine normal, effectivement. Voilà, pour le magazine traditionnel, entre guillemets. Et donc, je pense que c'est tout pour ce magazine-là. Donc, oui, effectivement, la surprise dans le prochain, du mois prochain, ça va être un peu plus intéressante, entre guillemets. Vu qu'on aura un fantôme, après on a quand même. Voilà, pourquoi on a Legacy, on a Lloyd Legacy 2019 et pas 2020 par exemple? C'est ça qui est un peu décevant, je trouve quand même. Alors vous m'excuserez, mon PC a un peu planté, donc je sais pas trop si ça va s'entendre ou se répercuter sur la vidéo. C'est un peu bloqué, hein, ça lui arrive. Peut-être qu'il est en train de faire des mises à jour en fond, je ne sais pas. En tout cas, voilà pour ce. Magazine Ninjago Legacy pour le mois donc de mars 2021. Donc on continue sur les maîtres élémentaires au niveau des dossiers, ce qui est plutôt cool.
La bande dessinée avait l'air ok de prime abord. Enfin, là encore, quand je la lise, je me dis jamais, finalement, à chaque fois je dis ça et à jamais je ne prends le temps de les lire. C'est absolument horrible. Il faudrait au moins effectivement que l'argent que je dépense dedans serve à quelque chose et que je lise des bandes dessinées qui viennent. Donc voilà en tout cas pour ce magazine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté le magazine et si vous aussi bah, vous avez aimé son contenu ou pas, ce que vous pensez de la surprise du mois prochain. Et donc bah, voilà, justement, le mois prochain, on se retrouvera avec le nouveau magazine du Jago Legacy. Après ça, il y aura le Jago normal en juin. Et en attendant, il y aura sûrement d'autres vidéos, bien évidemment. Allez, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Portez-vous bien, bien évidemment. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.